Oh, ce challenge est difficile. Ne me fais pas cracher non plus. Oui, j'adore les pipis. Nous avons passé une superbe journée ensoleillée. High five. Ça nous a permis de profiter du jardin. Mais là maintenant, nous allons rentrer à l'intérieur de la maison. Non maman, avant on peut regarder les commentaires parce qu'il y en a tellement. Ah oui, les commentaires des abonnés. C'est la folie. Maman, tu veux bien les lire? Bah oui, bien sûr mon cœur. Avant de commencer, on tient à remercier tout le monde pour tous les commentaires. C'est vraiment fantastique et toutes les méga pouces bleus. Ça nous fait énormément plaisir. Et excusez-nous parce qu'on ne peut pas toujours répondre à tout le monde, mais on les lit, on les adore. Et quand on peut, on lit ici. Donc là, nous allons commencer avec Mitsu. Et Mitsu dit, tu viens au Canada, s'il te plaît, toi et ta mère. Mais c'est l'un des pays qu'on aimerait vraiment visiter, une fois que c'est possible. Donc on t'embrasse, toi et ta famille. Le prochain commentaire vient de la part de Stéphanie. C'est vrai? Ou c'est un poisson d'avril? Parce que... parce qu'il a poussé vite ton ventre. De quoi Stéphanie parle, Deriti? Du cadeau qui est dans ton ventre. Ah oui, Stéphanie parle du cadeau qui est bien dans mon ventre. Oui, Stéphanie, c'est vrai, ce n'est pas du tout un poisson d'avril. Malheureusement, nous n'avons pas fêté le poisson d'avril chez nous cette année. Oui, maman, mais je t'ai quand même collé des petits poissons dans le dos. C'était comme ça, je te faisais des câlins et en même temps, je te tape les dos. En effet, Verity a dessiné plein de cadeaux. Verity a dessiné plein de poissons d'avril. Et du coup, mon dos était rempli des poissons. Et chaque fois, il venait me dire, oh maman, j'ai envie de te faire un gros câlin. Je croyais que, ouais, elle est super gentille. Mais au fait, elle me collait des poissons. Les amis, est-ce que vous, vous avez collé des poissons d'avril dans le dos de vos parents? Si c'est ça, laissez un méga pouce bleu maintenant. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Verity, le prochain vient de qui? Isabelle, elle dit félicitations. Elle dit félicitations pour ce cadeau, Chelsea. Tu as de la chance. Verity, tu vas être grande sœur. Je vous fais de gros bisous. Et nous aussi. Et merci, merci, merci à tout le monde. Et on a eu plein de personnes qui nous disaient félicitations, c'est superbe. Donc merci. Parce qu'au fait, on se sentait un peu seul ici à la maison. Et maintenant, avec vous, on est tout chaud au cœur. Donc, love Valérie. Elle dit félicitations, Chelsea. Tu pourras nous dire si c'est une fille ou un garçon. Valérie, on ne sait pas encore si c'est une fille ou un garçon. Mais une fois qu'on saura, on va partager ça avec vous à la maison. Les amis, vous pouvez déjà vous abonner sur la chaîne du bébé. Ça s'appelle Verity Baby Boss. Mais Verity, il n'y a pas encore de vidéo sur la chaîne. Je sais. Ah! Mélodie. Mélodie demande, tu pourrais faire une vidéo où tu montres ton bébé? Bien sûr, Mélodie. Comme Verity vient de vous dire, on a une chaîne qui s'appelle Verity Baby Boss. Et là, nous allons partager plein, plein, plein de vidéos avec le bébé. Donc, on espère que vous allez nous accompagner pendant ce nouvel chapitre de notre vie. Sound. Et encore, félicitations Chelsea. Merci, merci. Ça se voit que Verity est prête pour être grande sœur. Mais vous savez, Verity ne s'est jamais occupée d'un bébé. Elle n'a jamais fait du babysitting, rien du tout. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Surtout, je pense que Verity aura la responsabilité des couches. Non, mon frère, ce sera toi. Moi, j'ai l'endormir avec des histoires. Oh, c'était une fois une... Non. Si vous aussi, vous êtes grande sœur ou grand frère, laissez-moi des méga conseils dans les commentaires. Nous avons un super commentaire de Inaya. Elle dit, ma mère travaille à l'hôpital. Elle nettoie. Inaya, on dit merci à ta maman pour tout le travail qu'elle fait. Oui. Parce que travailler à l'hôpital, c'est vraiment, vraiment super important. Elle fait partie du personnel hospitalier que Verity et moi, on soutient. Oui. Donc gros bisous. Prochain commentaire, ça vient de Daniela. C'est quoi votre chanson préférée à ta maman et toi? On aime bien Dua Lipa. Oui, on aime bien au fait beaucoup des chansons de Dua Lipa. If you don't want to see me
Dancing with somebody. On recommence. J'ai dit mille fois. If you dance, when you see me dancing with somebody. C'est une super chanteuse anglaise. Oui. On la trouve vraiment cool. Décontractée, sans prise de tête, fun. On l'adore. Ouais. Et vous, vous écoutez quoi en ce moment? Laissez-nous dans les commentaires. Oui, on aimerait bien savoir, mais n'oubliez pas le hashtag. Hashtag j'aime bien ça, hashtag j'aime bien ça, hashtag j'aime bien ça. Ah, Verity, tu sais, il y a la nouvelle chanson du week-end aussi. Oh ouais. Ah non, c'est quoi ça, maman? Oh, je me rappelle pas. Il est dans une voiture. Il est dehors. Il a un manteau rouge. Et il a des dents comme ça. C'est celle-là. Comment j'aurais pu l'oublier? Et maintenant, un autre commentaire. Non, maman. D'abord, il faut rentrer à l'intérieur. On va faire un challenge. De nouveau un challenge? Oui, maman. Allez, on y va. Verity, mais... Voilà, nous sommes de nouveau à l'intérieur et je vois toutes ces bouteilles d'eau sur la table. Mais Verity, qu'est-ce qui se passe? On va faire un challenge. Oh. Challenge. Challenge, c'est quoi le challenge? Je dois te verser de l'eau sur la table? Non, maman, ce n'est pas ça le challenge. Alors, on va boire plein de bouteilles d'eau. Oui. Tu chantes bien? Oui, super bien. Et le premier qui dit... Ah, je vais aller aux toilettes. Ah, perdu. Ok, si je... Par contre, t'as pas le droit de faire pipi dans ta bouteille, hein? Non. Quoi? Attends, non, attends. Non, rien, de quoi maman? Il parle? Ok, si je comprends bien, nous avons chacune 5 bouteilles d'eau et il faut boire le maximum possible avant de dire ouh, je vais aller faire pipi? Oui, c'est ça. Oh, mais Verity, tu sais, moi je vais tout le temps aux toilettes. Je suis sûre que je vais perdre. Quand même, une heure, ça va, une heure. Tu penses que je peux rester une heure sans aller aux toilettes? Non, maman. T'es gentille, toi. Oui, je sais. Ok, et qu'est-ce qui se passe si on perd? Le perdant devra faire la vaisselle. Mais Verity, c'est ton tour de faire la vaisselle. Bah oui, mais j'ai choisi ce challenge pour pas faire la vaisselle. Les amis, vous pensez que qui va gagner, Verity ou Chelsea? Dites-moi dans les commentaires. Tu fais tout pour éviter les corvées à la maison, hein? Bah, c'est normal, maman. Je suis pas comme ça. Bon, avant de commencer, je vais faire pipi, d'accord? Non. Oui, bah si, je vais non. pas... Non, je vais... Non, tu restes là, maman. On commence tout de suite? Oui. Mais... 3 Non. 2 1 Go. Ah, je vais... Bah, bois aussi, hein. 3 2 1 Mais comment tu bois autant? Mais arrête! Verity, tu peux... Haha, on a vu la même chose. Non, attends, Verity. Tu sais, maman, je me suis entraînée avec des biberons. Oh là là.
Je vais rôter. Ouais. Ah, mon ventre est tellement gros, maman. Ah. Maman, regarde. Entends. Mais ton ventre est plein d'eau, Verity. T'es sûre que tu ne veux pas dire le mot magique? Non. Je pense que si. Non, maman. Je pense que non. Allez, je vais te rattraper. Tu vois. Stop, stop, Verity. Je dois faire pipi, pipi. Oui, j'adore les pipis. Ah, t'as perdu. Bah oui. Je suis trop contente. Tu l'as dit. Tu as perdu. Tu as perdu. Mais ce challenge était débile. On ne pouvait pas boire toute cette eau. Tu le sais très bien. Bah moi, j'ai fini. Regarde. Deux bouteilles. Deux bouteilles? Oui. Ah, c'est vrai, c'est comme un peu bizarre. Mais bon, t'as perdu et j'ai gagné. Je me sens pas très bien. Non, j'ai vraiment besoin de faire pipi. Moi aussi. Bah non, je vais en première. Non, mais d'abord, non, mais laisse-moi tranquille. Non. J'ai perdu, donc je vais d'abord aux toilettes avant toi. Non, non, non. Pas. Stop. Laisse-moi tranquille. Non, mais tu restes là et je vais aux toilettes.